Shut up and sit down. OK, donc présentation de l'atelier 2.1 qui est la mise en place d'un serveur contrôleur de domaine. Ben, ça va nécessiter également l'ajout du rôle de serveur de nom de domaine, donc serveur DNS. Donc on va devoir faire les deux. Donc les objectifs de la séance, évidemment, apprendre à ajouter des rôles sous Windows Server 2008 R2. Et évidemment, apprendre à installer le rôle de contrôleur de domaine, à quoi ça sert, et le configurer, ainsi que d'installer et configurer le rôle de DNS. La mise en situation est toujours la même, donc nous sommes toujours dans le cas de la migration de Techminus d'une architecture poste à poste à une architecture de domaine Microsoft. Et la pierre angulaire de cette migration est évidemment l'installation d'un contrôleur de domaine qui assurera l'authentification des usagers et qui centralisera toute la sécurité de notre réseau. Vous devez avoir sous la main évidemment un environnement virtuel, avoir un Windows Server 2008 R2 et avoir complété son installation et sa configuration telle que définie dans l'atelier 2.0. Et vous devez avoir, là j'ai mis les deux machines, mais au moins une des deux machines, soit la Windows 7 ou Windows 10, de déjà importer et de configurer dans votre environnement. Donc si on regarde, ça ne change pas des autres activités. On va faire commencer par faire une présentation. Ensuite, on va devoir installer et configurer le rôle. Et vous devez faire la procédure. Donc, on va aller voir le bon de travail. Donc dans le bon de travail, là, qui définit un petit peu plus précisément ce qu'on aura à faire, on voit que le nom de domaine devra être techminus.lan, que la fonctionnalité du domaine sera de type 2008 R2, on a un mot de passe pour la restauration d'annuaire et quelques autres informations dans la configuration du DNS. Une fois évidemment tout ça créé, la mise en place du serveur lui-même sera faite, mais il faudra aller créer des groupes dont Active Directory en prévision de l'ajout de nos utilisateurs. Importer des utilisateurs via CSV. En fait, nous, on va le faire à la mitaine. Donc, on va utiliser la méthode à la main. Mais pour en enrichissement, ceux qui veulent le faire avec PowerShell, j'ai mis une petite vidéo tutoriel qui devrait vous aider à pouvoir concevoir un script qui importe directement les usagers dans l'Active Directory à partir d'un document CSV. Ensuite, vous devriez vous créer un compte personnel, donc on ne travaillera plus avec le compte administrateur. Et ensuite, on va aller configurer nos Windows 7, Windows 10. Donc, c'est parti. Donc, mon Windows 7 est ici. Mon serveur est ici. Si vous avez des ressources limitées, vous pouvez démarrer qu'un seul des deux à la fois si vous voulez pour cette étape, mais plus tard vous aurez besoin de toute façon que les deux soient fonctionnels. Donc à l'intérieur du gestionnaire du serveur, je vais aller en haut. Et évidemment, là je vous dis tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà fait, vérifiez votre nom là, qui est ici. Là. C'est important que ce soit celui que vous voulez garder. Une fois que vous aurez installé le contrôleur de domaine, vous ne devez plus changer ça ever. En fait, vous ne pourrez plus le faire sans ruiner votre contrôleur de domaine. OK? Parallèlement, si on va dans les résumés du serveur, ben on aurait intérêt aussi à ce que la carte réseau LAN soit déjà configurée. Ce sera nécessaire lorsqu'on fera l'ajout du rôle de DNS un petit peu plus tard. Donc, assurez-vous que votre carte réseau et son adresse IP sont déjà configurés. Si vous les changez après, ça va ruiner, ça ruinera peut-être pas, là, mais ça va vous causer beaucoup de pépins et vous devrez manuellement aller reconfigurer votre DNS. OK? Donc, pour l'ajout de rôle sous Windows Server, c'est facile, vous cliquez sur « Rôle »
Et là, soit vous allez ici à droite dans « Ajouter des rôles » ou vous faites simplement bouton droit « Ajouter des rôles » à partir du menu déroulant. Ici, bon, cette page-là, c'est un avertissement qui est là à tous les débuts. On va l'enlever à l'avenir. Donc, cochez la petite case « Ignorer cette étape par défaut ». Et voici la liste de tous les rôles qu'on peut installer présentement. Vous allez aller cocher Service de domaine Active Directory. Donc, vous voyez ici à droite la description. Et le service de domaine Active Directory va changer un petit peu de nom à partir de Windows Server 2012. Il va s'appeler Service ADDS. Dans les deux cas, c'est super important de ne pas le confondre avec son petit frère qui est ici, le service de certificat Active Directory. Donc lui, vous ne devez pas, absolument pas, installer celui-là. OK? C'est vraiment le service d'annuaire Active Directory, donc le service de domaine Active Directory plutôt, que vous devez installer. Donc, je vais cocher cette case-là. La fenêtre qui s'ouvre, c'est que des fonctionnalités doivent être installées sur mon serveur afin que le rôle puisse être installé. Donc, ce n'est pas un choix. Il vous l'avertit. Si vous ne cliquez pas « Ajouter les fonctionnalités », vous ne pourrez pas installer le rôle. Suivant. Suivant. La petite fenêtre résumée et on fait installer. Maintenant, il est possible d'installer plus d'un rôle à la fois, mais il est généralement dans les bonnes pratiques, on va dire un rôle à la fois pour les rôles critiques. Contrôleur de domaine, par exemple, votre DNS, faites-le un à la fois. Dans certains cas, des rôles ne pourront pas être installés en même temps parce que l'un est prérequis à l'autre. OK? Donc, idéalement, un rôle à la fois. Par contre, dans certains cas, vous allez voir dans d'autres vidéos, le service, par exemple, de serveur de fichiers, le service de serveur d'impression, il n'y a absolument aucun mal à activer ces deux services-là en même temps. Donc, vous pourriez cocher les deux petites cases et ils s'installeraient un à la suite de l'autre. Windows Server 2012 et Windows Server 2016, les versions suivantes 2008, sont mieux équipés pour faire du plus d'un rôle à la fois parce que pendant que ça roule en arrière-plan. Donc, vous n'auriez pas eu la grosse fenêtre que j'ai présentement dans la face. Ça aurait disparu. Vous seriez revenu à votre serveur. Vous auriez pu faire d'autres choses pendant que les rôles s'installent. Donc, il gère un petit peu mieux que 2008 l'ajout de rôles multiples. Donc, c'est installé. Maintenant, est-ce que mon domaine est configuré? La réponse, c'est non. J'ai des services d'annuaire de domaine Active Directory, mais je ne suis pas un contrôleur de domaine. Et si je m'en vais cliquer dans « Rôle »,« Service de domaine », ben, j'ai un message qui me dit exactement ça. Ça me dit « Ce serveur n'a pas encore le rôle de contrôleur ». Pour lui donner le rôle, on va appeler ça une promotion de rôle. OK, donc on va dire « Promouvoir le serveur au rôle de contrôleur de domaine », ben, soit vous cliquez sur le petit lien ici qui va faire apparaître l'assistant, ou vous exécutez la commande dcpromo.exe à partir d'une ligne de commande, ça va lancer la même affaire. Vous pourriez également utiliser PowerShell pour le faire avec un script. On va rester avec les assistants. Oups! Je vais zoomer out, là. Donc, ma petite fenêtre d'assistant est ici. Je vais zoomer dessus. Je vais cocher l'option « Avancer », puisque je veux vraiment avoir le contrôle total sur ce que je vais faire, et faire « Suivant ». Suivant une deuxième fois. Et là, lui, il se rend compte, en fait, on dit « Les paramètres IP de cet ordinateur ne sont pas configurés avec le nom d'un serveur DNS pour la résolution de nom ». Donc, on se rappellera, dans l'installation de mon serveur, lorsque j'avais configuré mon IP, j'avais laissé volontairement vide la zone DNS. Il le détecte, et comme j'ai désactivé ma carte réseau WAN,
qui aurait un DNS, parce qu'il aurait un DNS de mon fournisseur d'accès à Internet, ben, il ne détecte aucun serveur DNS et j'ai l'option ici, en cochant la case, de lui dire, ben, résous ça, ce problème-là, en installant le rôle de serveur de DNS que je n'avais pas encore installé. Si vous n'avez pas désactivé votre WAN, il va essayer de s'authentifier auprès de l'autre DNS qui va l'envoyer paître. Parce qu'évidemment, le nom d'utilisateur, mot de passe, etc., il n'y a pas d'autorisation pour aller s'authentifier là. Donc, après un certain délai, parce que vous allez voir, là, ça va tourner, vous allez attendre, vous allez avoir le même message d'erreur. Parfait. Pour ce qui est de la forêt, maintenant, qu'est-ce que c'est une forêt de domaine? C'est dans le fond, une forêt, c'est un regroupement de domaines. OK? Et votre domaine va donc s'inscrire dans une forêt. Et forcément, il va être tout seul présentement. Donc, une forêt, un domaine. Comme il n'en existe pas présentement dans la compagnie, il n'y a pas plusieurs domaines non plus dans la compagnie, je vais cocher l'option « Créer un domaine dans une nouvelle forêt » et faire « Suivant ». Et là, je vais devoir taper mon domaine. Ici, on se rappelle le bon de travail. Il s'agissait de techminus.lan. Ce qui est très important, c'est que votre domaine ne puisse pas être en conflit avec un domaine public. Par exemple, google.com. Si vous mettez un domaine qui existe dans le domaine public, vous allez causer énormément de problèmes parce qu'il n'y aura aucune manière pour les DNS de deviner auquel des deux serveurs vous voulez vous adresser, celui sur Internet ou celui dans votre réseau local. Donc, ça va causer des problèmes. Normalement, il devrait le détecter, mais comme ma WAN est désactivée, quand je fais « Next », il vérifie si le domaine est disponible. Mais évidemment, si j'avais pris un domaine public, ma WAN étant désactivée, bien, il ne l'aurait pas détecté, puis j'aurais un sale problème. Donc, on utilisera plutôt des suffixes comme .lan, .ou, .local, pour définir nos domaines qui ne sont pas accessibles en ligne. OK? Donc, si vous avez des domaines qui sont purement locaux, .lan, .local, c'est safe, ces deux suffixes-là n'existent pas, ne sont pas disponibles en fait en ligne, ils sont réservés pour des usages locaux. Non NetBIOS. Le protocole NetBIOS est utilisé encore beaucoup et il sert à plein d'interactions entre clients et serveurs. Le non NetBIOS correspond toujours à votre nom de domaine moins le suffixe. OK? Cependant, le nom NetBIOS, en fait, NetBIOS a une limitation de 15 caractères sur le nom. C'est vrai pour le nom des postes, c'est vrai pour les noms de domaine, c'est vrai pour la plupart des noms. Résultat, si vous avez plus de 15 caractères, NetBIOS va tronquer le nom pour le faire fitter à 15, ce qui va causer possiblement des conflits parce qu'il pourrait se trouver en conflit avec un autre domaine, ou si je nomme un poste avec trop de caractères, le même principe, je vais me ramasser en conflit parce que le nom va être identique à un autre qui a également été tronqué, par exemple. Donc, assurez-vous que votre nom de domaine soit toujours moins 15 caractères ou moins. C'est mon cas avec TechMinus, donc je peux faire suivant. Le niveau de fonctionnalité, selon le bon de travail, c'est 2008 R2. Si vous remarquez, on dit que ici vous avez des éléments, là, je dirais, qu'est-ce qui va fonctionner ou pas fonctionner. Si je mets, par exemple, 2000, ou mettons 2003, ben, on voit que là, je vais pouvoir faire de la réplication, par exemple. Ici, on dit que je vais pouvoir générer plus efficacement des topologies de réplication complexes, peu importe ce que c'est. Donc, on dit en anglais « as a rule of thumb », en règle générale, l'idée, c'est de prendre le serveur le plus poche de ton parc. OK? Vos ordinateurs serveurs vont pouvoir devenir membres de votre domaine. Il n'y a pas que le contrôleur qui a le droit d'être dans le domaine. Si vous avez d'autres serveurs, ils pourront rejoindre le domaine. Mais si ces serveurs-là sont de fonctionnalité inférieure et que votre domaine est votre niveau de forêt est supérieur et que vous faites un contrôleur de domaine, mettons, auxiliaire ou secondaire, mettons un serveur 2003, il ne pourra pas fonctionner correctement avec vos 2008, du moins certaines fonctionnalités ne marcheront pas. Fait que, allez-y avec le plus poche,
Je vous annonce que dans le cas de Techminus qui a acheté un serveur réusiné dans notre contexte 2008, là, on est en 2018, c'est probablement mon parc le plus poche. Là. C'est le seul présentement. Si j'en ai ajouté un autre, on va pas descendre plus bas que 2008. Okay? Mais c'est plus important si vous êtes dans un parc informatique déjà existant, qui a déjà des serveurs, puis vous allez en commissionner ou en décommissionner certains. Autre chose, vous pouvez augmenter le niveau. Vous ne pouvez pas diminuer le niveau. Si vous aviez mis un 2003, vous voulez augmenter la fonctionnalité, vous pouvez l'amener à un niveau de plus. Donc, je fais suivant. Ici, pour le DNS, on voit que je ne peux pas le décocher. Suivant, je dis oui. Ça ici, c'est qu'il ne peut pas faire de délégation auprès d'un autre serveur DNS parce qu'il est tout seul. Suivant. Ici, c'est le mot de passe de l'annuaire. OK? Ce mot de passe-là nous a été défini dans le bloc de travail comme étant secure annexe 1 exclamation. Et c'est probablement le mot de passe le plus inutile et le plus important que vous allez écrire. C'est-à-dire qu'il sert à restaurer votre base de données Active Directory si celle-ci, mettons votre serveur est devenu défaillant. Par exemple, vous voulez la restaurer dans un autre contrôleur ou vous voulez vous réinstaller votre contrôleur puis vous devez restaurer votre base de données. Fait que c'est quelque chose qu'on fait pratiquement jamais, sauf quand ça merde. Donc, dans ce cas-ci, notez-le quelque part. Normalement, c'est un mot de passe qu'on va documenter quelque part dans un gestionnaire de mots de passe pour être sûr qu'on l'ait sous la main le moment venu. Et je vais faire suivant et ça va lancer l'installation. Je vais cocher « Redémarrer » puisque ce sera nécessaire à la fin. OK. Donc, notre démarrage est fait. Ici, je fais « Ctrl-Alt supprime ». Vous remarquez, ici, là, Techminus est apparu. Regardez, ici, là, Techminus est apparu devant administrateur. OK? Ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, je suis maintenant en domaine et que administrateur, qui est ici, va s'authentifier sur le domaine Techminus. C'est ce que veut dire ma contre-barre oblique là, que vous voyez devant le nom de mon utilisateur. Et donc, ça va être important de faire la différence entre une authentification de domaine, et donc c'est le contrôleur de domaine qui vérifie mon username, mon password, et une authentification dite locale, où est-ce que là, c'est la base de registre SAM de l'ordinateur local qui va vérifier si un compte et le mot de passe sont conformes. OK? Donc, si je vous montre une différence entre lui et mon Windows 7 ici, dans mon Windows 7, j'ai pas rien devant Imica ici. J'ai juste Imica. Donc, où est-ce que je m'authentifie? Je m'authentifie sur le poste. C'est Windows 7, quand je m'en vais ici et que je tape « Annexe ». Ah, c'est pas « Annexe ». Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Voilà. C'est la base de registre local. Même si je n'ai pas de contrôleur de domaine, présentement, je ne suis pas connecté à mon domaine. OK? Même si je n'ai pas de contrôleur de domaine, je peux rentrer toujours en mode local. Il y aura des manières de restreindre ça plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas accès aux ressources du réseau, mais j'ai au moins accès à mon poste via une authentification dite locale. Revenons à notre serveur. Donc, si je m'en vais dans mon serveur, je vais taper mon mot de passe. Pour les versions précédentes à 2008 R2, je serais normalement invité à changer le mot de passe. Il n'accepterait pas que le mot de passe local et que le mot de passe domaine soient le même pour l'admin. OK? Dans notre cas à nous, à partir de 2008 R2, 2012, 2016,
ça ne vous serait pas demandé. Donc, dans le gestionnaire du serveur, si je m'en vais dans les rôles, vous voyez que maintenant, j'ai un rôle de DNS qui est apparu avec toute son petite arborescence de choses. Et j'ai un rôle de domaine Active Directory. Et en dessous, mais maintenant, j'ai utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, vous avez fait gestion de l'accès avec Samba 4. Vous auriez vu ici, c'est la même chose que ce qu'on faisait dans une console MMC, donc une console de gestion Microsoft, qu'on va utiliser éventuellement. Et j'ai mes utilisateurs. Donc, si je me fie au bon de travail, je devais créer des OU, donc des unités organisationnelles. On va y revenir un peu plus tard à quoi servent nos OU. Et créer des utilisateurs. Donc, je vais mettre ça sur la glace, puisque c'est quelque chose de théoriquement revu en gestion de l'accès. Mais on va y revenir de toute façon plus tard à nos utilisateurs et à nos unités d'organisation. Par contre, ce que je vais faire immédiatement, c'est de me créer un compte personnel parce qu'il n'est pas prudent d'utiliser le compte de l'administrateur principal du domaine et du serveur. Ce serait beaucoup plus prudent d'utiliser un compte à mon nom. Pour ce faire, je vais retourner dans mon serveur. Je vais aller dans Users, en dessous de Utilisateur et Ordinateur d'Active Directory Users. Et là, j'ai Administrateur qui est en haut ici, qui est mon utilisateur. On le reconnaît là, facilement au logo d'utilisateur, là, le petit bonhomme, versus les logos de groupe qui sont deux petits bonhommes. Okay. Pour faire un utilisateur à mon nom, je vais faire une copie. En faisant copier, là, je vais pouvoir taper mon nom. Je m'appelle Marc. Là, mon nom. Je respecte ma convention d'affectation de nom qui stipule que les noms d'utilisateurs, c'est tous les noms de famille suivis de la première lettre de tous les prénoms. Je fais suivant. Mot de passe. Je vais respecter la complexité. Donc, on va mettre annexe 1, exclamation. J'ai pas besoin de cocher grand-chose ici. Par contre, peut-être cocher le mot de passe n'expire jamais. Question que je ne me fasse pas demander de changer de mot de passe. Mais dans le cadre du cours, ce sera inutile que vous le faites ou pas, puisque peut-être c'est 90 jours normalement les mots de passe par défaut. Si jamais vous ne cochez pas ça, dans 90 jours, vous allez vous le faire demander. Suivant est terminé. Maintenant, si je regarde le compte de Marc et que je regarde le compte de l'administrateur et que je les compare, sont similaires, ok, et surtout je vais aller voir dans membre 2, ce sont les groupes auxquels appartiennent mes utilisateurs. Les groupes établissent les privilèges, les autorisations que mes utilisateurs possèdent. Et là, en ayant fait une copie de l'administrateur, mais vous pouvez remarquer que tous les groupes sont identiques. OK? Donc, c'est l'avantage de faire une copie plutôt que de créer un nouvel utilisateur de toute pièce. D'ailleurs, quand on est dans des grandes entreprises, souvent, la création d'un usager se fait à travers une copie. Donc, on va faire un usager modèle. Par exemple, j'ai des agents de télécommunications qui font du soutien à le service à la clientèle. Puis j'en ai 500 dans mon centre d'appel à créer. Mais je vais me créer un modèle. Je vais lui donner des accès grâce à des groupes. Et une fois que j'aurai fini de concevoir mon modèle, là, dans mon modèle, là, j'aurais pu aussi ajouter, par exemple, le service, la société, pour dire, ben c'était ça, c'est le service à la clientèle. Et puis, il travaille pour Techminus, par exemple. Et puis, j'aurais pu rentrer des informations d'ordre général, comme des informations d'adresse, peu importe. Et là, une fois que mon modèle il est beau, il est prêt, bien là, j'utiliserai des copies pour créer tous mes usagers. Puis évidemment que si j'ai 500 personnes, en fait, je ne ferai pas des copies. J'utiliserai un script PowerShell avec un fichier CSV de tous les noms de tout le monde. Puis, je créerai tous mes usagers à travers ça. OK? Mais, c'est de l'enrichissement, c'est pour un autre jour.
Donc, maintenant, ce qui me reste à faire dans le bon de commande, c'est d'aller finir la configuration de mon DNS. Par défaut, si je m'en vais dans mon DNS, et là, je vais zoomer à nouveau, dans ma zone de recherche directe, j'ai mon domaine, et sous mon domaine, on voit qu'il y a un seul ordinateur, là, c'est celui que je viens d'installer le serveur dessus, là, qui est là. Dans un DNS, vous allez avoir des enregistrements A. La règle d'or, c'est qu'un enregistrement A correspond toujours à un appareil physique. Un routeur physique, un ordinateur, tous les autres en général, on va utiliser des enregistrements A pour représenter physiquement. Mais, si j'ai besoin de faire un surnom, donc de pouvoir accéder à cet autre-là par une autre manière, donc si je n'ai pas envie de taper smf-mtl-dc01, puis j'aimerais pouvoir utiliser par exemple juste dc01, bien à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle un alias ou un CNAME pour Canonical Name. OK? Donc, si je m'en vais ici, juste en dessous, excusez, je vais avoir ici Nouvelle alias. OK? Et dans Nouvelle alias, je vais commencer par définir l'alias qui est dc01. Et ensuite, je vais lui donner son vrai nom, ce qu'on appelle son Fully Qualified Domain Name, FQDN. Pour le faire, le plus simple, c'est de parcourir les registres DNS. Donc, je vais parcourir, je vais dire, ben, c'est sur ce serveur, c'est dans une zone de recherche directe, c'est dans le domaine techminus-.lan, et l'enregistrement A auquel j'ai envie de faire référence, c'est celui-là ici, smtldc01. Là, je fais OK. Et là, on voit il l'a complété pour nous. Là. OK? Je laisse ça tel quel. Je fais OK. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un surnom et j'ai mon serveur. Dernière configuration. Certaines applications nécessitent ce qu'on appelle une recherche inversée. En anglais, on dit un reverse NS lookup. C'est-à-dire de prendre une adresse IP et de le faire par effet inverse, chercher le nom de domaine. Hein, le DNS, par défaut, son rôle, c'est de prendre un nom de domaine et d'aller le convertir en IP pour permettre, par exemple, la navigation. Dans certaines applications, on va utiliser à l'envers, c'est-à-dire qu'on va avoir l'adresse IP et on veut pouvoir sortir le nom de domaine. Donc, pour ce faire, on va prendre zone de recherche inversée, bouton droite, et on va définir une nouvelle zone, puisque par défaut, ce n'est pas installé. Comme c'est notre zone principale, notre première zone, on va juste faire suivant. On va laisser ça à zone principale et suivant. Ici, comme on n'a pas besoin de compatibilité avec le serveur 2000, ce serait la dernière option ici, je vais laisser ça tel quel et faire suivant. Ma zone est évidemment en IPv4 puisque je n'utilise pas l'IPv6. Et là, je vais devoir mettre l'identifiant de mon réseau. C'est un identifiant. Moi, j'ai un réseau de 24 bits. Donc, c'est les trois premiers octets. 172, 16, 1. Je fais suivant. Ici, on dit, est-ce que vous voulez autoriser des mises à jour? Oui, on va laisser la première option. Et on fait terminer. C'est pas tout. Si je m'en vais maintenant dans ma zone de recherche inversée, ici, je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle un pointeur. Un pointeur, c'est un enregistrement qui pointe vers un autre enregistrement de la zone directe. OK? Le plus simple, c'est d'aller dans la zone directe à la place, de choisir l'autre, donc ici mon enregistrement A, d'aller dans ses propriétés et d'aller cocher ici « Mettre à jour l'enregistrement de pointeur. » Je fais « OK ». Comme je n'ai pas de pointeur déjà créé, il va en créer un. Là, je peux attendre ou juste faire F5 sur mon clavier. Et là, on voit que le pointeur est ici. Puis si je m'en vais voir ses propriétés, bien, vous voyez qu'il fait vraiment référence à l'ordinateur qui est mon serveur. OK. Je vais faire « OK ». Mon DNS est fait. Donc maintenant, toute ma portion serveur est complétée pour ce qui est du bon de travail. Par contre, j'aimerais bien joindre mon client ici
à mon domaine pour m'assurer que ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est configurer le client de base. Donc, si on voit ici, moi, j'avais déjà nommé le poste. Mais ça va être important quand vous enregistrez votre client que le nom a déjà été nommé. Si ce n'est pas déjà le cas, renommez-le. Donc, vous voyez, moi ici, j'ai utilisé la convention de nom. P pour poste de travail, MTL, on est à Montréal. W7X parce que c'est un Windows 7 X64. -001 parce que c'est le premier poste de mon centre de données, de mon centre de TechMinus. OK. Ensuite, je vais devoir m'assurer que la configuration IP est correcte. Je vais aller voir mon adaptateur ici. On voit que dans l'actualité précédente, j'avais désactivé l'IPv6. Ici, on s'en va dans les protocoles IP. Hop! J'ai pas d'adresse IP. Comme je n'ai pas d'adresse IP, je n'ai pas de serveur DHCP d'activer, il va falloir que j'en mette une manuelle. On se rappellera que 172.16.1.1, c'était mon serveur. Si je m'en vais voir ma planification IP, je peux voir ça dans même à partir de mon plan topologique. On voit que les postes de travail sont supposés être en DHCP. Ça ne m'aide pas. Finalement, le plan topologique, ce n'était pas l'idée du siècle. Je vais donc aller dans ma stratégie d'adressage, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'on avait prévu pour les autres. Donc, pour les postes de travail, on avait dit n'importe quoi entre 1 et 254, dans le fond, tant que ça ne tombe pas en conflit avec un autre. Super. Donc, je vais retourner dans mon poste. Et là, je vais dire, ben, pour le bien de la cause, je vais mettre 2. Tant qu'il n'est pas en conflit avec un autre appareil, on s'en fout. Si vous voulez être sûr, comme on a déterminé que de 1 à 10, ça allait être des serveurs, de 11 à 20, ça allait être des imprimantes, ben, je peux aussi dire tout simplement 21. Puis là, je suis sûr que de toute façon, il ne sera pas en conflit avec personne. Je vais m'assurer de mettre le bon masque. Hein? Mon serveur a un masque de 24 bits, mon réseau a un masque de 24 bits. Je m'assure de garder ça. Pour l'instant, je n'ai pas de passerelle, on n'est pas rendu là. Est-ce que j'ai un serveur DNS par contre? Oui, je l'ai configuré lorsque j'ai fait mon contrôleur de domaine, donc il s'agit de mon serveur. J'en ai pas de secondaire pour le moment. Je vais faire OK et OK. Si je veux vérifier que la communication fonctionne avec mon serveur, je vais tout simplement faire un ping sur techminus.lan et je vais vérifier si mon domaine fonctionne. On va vérifier. Ça se peut que ça ne marche pas. En fait, je sais que ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ça ne fonctionne pas, la première possibilité, vérifier vos branchements. Évidemment, dans l'environnement virtuel, c'est vérifier que votre carte réseau, elle est bel et bien en réseau interne et qu'elle a le même réseau. Si je m'en vais voir ma machine virtuelle ici, là, c'était volontaire, là. Dans ma carte réseau, mon segment, c'est LAN 1. Mais mon serveur, je l'ai mis sur LAN 2. Donc, c'est vraiment en virtualisation le même principe que si j'avais branché l'appareil sur la mauvaise switch. Je l'ai branché sur le mauvais commutateur. Donc, en changeant ça, on va aller le tester à nouveau. Bon, on va lui donner un petit peu de temps. Là. Il est encore débranché, là. Je peux aussi faire un ping sur l'adresse IP, c'est plus rapide. On va vérifier là. Donc l'adresse IP fonctionne maintenant. Donc ça veut dire que le switch a été fait dans la virtualisation. Je pourrais aller réessayer techminus.lan. Et on voit que ça fonctionne. Élément important ici. Si je fais un ping en numérique, donc l'IP, que ça ne fonctionne pas,
c'est probablement un branchement. Si je fais un ping en numérique, ça marche, mais en alphanumérique, donc le nom du domaine, ça ne marche pas. Ben à ce moment-là, c'est probablement soit la configuration DNS, évidemment, vérifiez si vous avez bien tapé le bon domaine, là, mais soit la configuration DNS de mon poste de travail n'est pas bonne, soit à l'autre bout, dans le fond, c'est la configuration DNS du serveur qui ne fonctionne pas, ou vous n'avez pas installé votre domaine encore. Donc moi, ça marche, et le fait que ça fonctionne, les deux, me dit que maintenant, je suis capable de joindre le domaine. Donc, si je vais dans les propriétés de l'ordinateur, que je m'en vais ici, comme si je voulais modifier le nom, là. Et au lieu de faire modifier, au lieu de toucher au nom, cette fois-ci, je vais aller cliquer sur « Domaine » et je vais taper « techminus.lan », « Enter ». La fenêtre qui vient d'apparaître, c'est l'invite du serveur. C'est le serveur qui me dit « Pour joindre mon domaine, j'ai besoin d'être sûr que tu sois quelqu'un de confiance. » Donc, quel compte je vais pouvoir aller inscrire là? Je vais pouvoir mettre celui de mon administrateur ou, dans mon cas à moi, le compte que moi-même j'ai créé à mon propre nom. Oups, mot de passe, j'ai pas mis le bon là. Et c'est pour ça qu'on va créer un compte à notre nom et non l'admin, parce que moi, là, je suis sur un client, je suis sur un Windows 7. C'est pas prudent d'utiliser le username et le password sur cette machine-là. Est-ce qu'elle est compromise? Est-ce qu'elle a un virus? Je peux pas me permettre ça. Donc, c'est pour ça que je me crée toujours un compte personnel administrateur, que je vais toujours travailler à partir de celui-là. Parce que l'administrateur principal est toujours protégé. L'administrateur principal du domaine et du serveur, un autre user ne peut pas le supprimer, ne peut pas le modifier, il est protégé. Okay? Donc, en travaillant avec une copie, dans le pire des cas, je peux m'authentifier avec le vrai admin, désactiver tous les autres admins, puis là, aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on regarde ici, on me dit « Bienvenue dans le domaine ben, ». C'est gentil. On me dit « Faut que tu redémarres ». Ça, je m'en doutais. On ferme et on redémarre le poste. Donc, de la même manière que c'était pour le serveur, vous allez remarquer que lorsque j'essaie d'entrer dedans, maintenant j'ai un barre oblique et j'ai un compte. Si on se fie à ce que j'ai dit un peu plus tôt, le fait de voir ici PMTL W7X001 correspond en fait au poste. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Emika va s'authentifier sur le poste et non sur le domaine. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire changer d'utilisateur. Et en faisant ça, en allant sur autre utilisateur, vous allez remarquer que automatiquement en bas ici, il me dit ouvrir une session sur TechMinus. Si vous tapez certains user, en fait, un user, c'est administrateur. Donc, mettons que vous êtes quelqu'un de pas prudent, si vous voulez vous connecter avec le compte admin du domaine, ben, vous allez remarquer que par défaut, dès que vous tapez le mot administrateur, le Windows, il le sait que vous n'êtes pas supposé utiliser l'admin du domaine. Et automatiquement, il rechange l'ouverture de session pour dire « Ah, tu veux te connecter sur l'administrateur du poste. » et non pas l'administrateur du domaine. OK? Donc, si jamais vous vouliez vous connecter avec l'administrateur du domaine, ben à ce moment-là, soit vous tapez devant TechMinus contre barre oblique administrateur, et là, ça va marcher. Vous voyez qu'il est resté à TechMinus en bas, là. Donc, c'est la première méthode. Donc, on voit que TechMinus est resté là. Et la deuxième, c'est de mettre un suffixe, c'est-à-dire @techminus.lan,
Et là, à nouveau, vous remarquez qu'en bas, c'est tech minus. Maintenant, si ce que je veux, c'est Emika, évidemment que si je tape Emika, il essaie de trouver Emika sur tech minus. Donc, si vos machines virtuelles ont un compte Emika au lieu d'un compte administrateur, ce que vous pouvez faire pour vous authentifier localement avec Emika, faites point, backslash. Alors, point, un peu de la même manière qu'en CMD, point veut dire le lieu. Point, dans le cas d'une authentification, là, veut dire la machine. Donc, quand je dis point, backslash, Emika, ce que je lui dis, c'est je dis ouvre une session à partir du compte local, hein, dans le registre local, pas du domaine. Donc, sur tout ça, allons-y rapidement. Je vais simplement taper mon nom. 1, exclamation. Et c'est le fait que je suis capable d'ouvrir maintenant une session avec un compte qui n'existe pas sur le poste est la preuve que mon domaine fonctionne parfaitement. Donc voilà, ça conclut notre deuxième atelier.